Motivation ménage du matin, routine, rangement maison et courses, c'est maintenant dans la vidéo du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va nettoyer toute la pièce de vie, principalement ma cuisine puisque je me suis déjà avancée au niveau de la salle à manger puisque nous avions reçu du monde. Et je vais aussi ranger le bureau parce que comme vous le voyez, c'est un sacré bordel suite à mon haul action sur ma seconde chaîne. Mais avant de commencer, je vais enlever les draps dans la chambre de Ambre et dans ma chambre puisque je ne l'ai pas fait la veille. Je ne vais pas le faire dans la chambre de Jade puisque cette vidéo suit la vidéo de dimanche où j'avais enlevé tous les draps et j'avais fait le ménage de printemps dans la chambre de Jade. Donc je lui mets les draps propres que j'ai lavé, que j'ai acheté à Action, donc le thé d'oreiller et la housse qui est une licorne et j'ai payé aux alentours de 15 euros. Il me semble, je vous mets dans le petit i et en barre d'infos mon haul Action qui est sur ma seconde chaîne by Gaëlle si jamais vous ne l'avez pas vu. Ensuite, je vais ranger vite fait les jouets qui traînent et relever les tapis puisque l'aspirateur robot va faire le ménage pour moi dans les chambres. Donc ensuite, comme convenu, je passe à ma chambre, j'enlève les draps et je vais mettre des draps propres. Je vais aussi aérer la chambre et je vais lancer l'aspirateur robot. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, mon aspirateur robot s'appelle Toby et c'est le Yeti Vac Max. Vous avez le lien en barre de description, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Je n'ai pas de code promo, mais Amazon fait souvent des promos, donc n'hésitez pas à checker si jamais il vous intéresse. Et sur ma chaîne, il y a aussi une vidéo crash test à son sujet. Ensuite, je passe à la cuisine. Je vais nettoyer mon plan de travail avec le produit Eco Vert spécial cuisine. Donc, je prends une microfibre et je vais nettoyer tout mon plan de travail. Je vais ensuite nettoyer mon Magimix puisque je l'avais utilisé. Nous avions reçu du monde et j'avais fait à manger avec le Magimix. C'est un gain de temps assuré. Et ensuite, je vais ranger tout ce qui traîne sur au niveau de mon évier. Je vais faire la vaisselle et je vais m'attaquer au nettoyage de mon plan cuisson. Alors je suis désolée si je parle bizarrement, mais je suis allergique au pollen et je peux vous assurer qu'en ce moment j'en bave, mais vous n'imaginez pas à quel point. D'ailleurs mes filles aussi sont allergiques, Jade je savais qu'elle était allergique et Ambre j'ai bien l'impression qu'elle est aussi allergique, donc il va falloir aller chez le médecin pour qu'elle ait des médicaments tout simplement. Donc comme vous avez pu le voir, je débarrasse mon plan cuisson. Je vais aussi toujours nettoyer avec le produit Eco Vert de chez Action spécial cuisine et il est très très bien. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Now my bed feels. Une fois que c'est fait, je prends mon chiffon magique Ilbase que j'ai humidifié et je vais venir nettoyer toutes les façades de mes placards ainsi que mon frigo et mon lave-vaisselle, et ça va laisser aucune trace.
J'ai aussi fait un crash test au niveau de ce chiffon magique que j'ai acheté moi sur Instagram, mais il existe aussi sur Amazon. J'ai d'ailleurs le lien Amazon en barre de description, donc je vous laisse aller voir. Et puis si vous voulez voir le crash test, je vous laisse parcourir les vidéos sur ma page... sur ma chaîne, pardon. Ensuite, je poursuis avec mon chiffon Bill Base et mon plumeau sur mes chaises de bar pour bien les nettoyer, puisqu'avec des enfants, hein, les chaises, elles ont toujours des traces. Je passe ensuite à la télé. Là, je vais juste dépoussiérer parce que ma télé n'avait pas de traces de doigts et c'est un miracle. Et je passe ensuite à l'aspiration. Donc, j'utilise pour ce faire mon aspirateur balai qui est le Ultenic U10. Et je vais nettoyer, aspirer, pardon, toute la pièce de vie. I can't move on. Whoa, why did she go? Whoa, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, just tell me, why did she go? Et une fois que l'aspirateur est fait, je passe au nettoyage du sol, tout simplement, avec le balai qui vient aussi de chez Action. C'est un balai et une serpillière microfibre, on peut mettre du liquide à l'intérieur. Et moi, j'y ai tout simplement mis de l'eau chaude avec de l'alcool ménager et ça va me faire zéro trace sur mon carrelage. Et je dois vous avouer que je suis très chanceuse d'avoir trouvé ce produit là, ce produit miracle, l'alcool ménager, puisque j'avais testé pas mal de produits qui me laissaient une pellicule grasse sur mon carrelage, et l'alcool ménager ça me laisse vraiment zéro trace. Donc franchement, si vous avez un carrelage et que vous galérez, de l'eau chaude et de l'alcool ménager, et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, on va passer au bureau. Donc je vais ranger tous les vêtements que j'ai ici pour les mettre à laver. Je vais ranger tous les sacs, tout ce qu'il y a sur le canapé. Et une fois que ce sera fait, je vais ranger tout ce qui va dans le bureau prochainement dans mon armoire, en attendant que j'achète mes bureaux chez IKEA. Et je vais prendre l'aspirateur et ensuite je vais réaspirer la couette, puisque le sac était un petit peu ouvert et l'aspiration est partie, hein. L'air est entré, et je vais faire la même chose au niveau des vêtements que je vends sur Vinted. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder mon Vinted si jamais vous avez des enfants en bas âge. Une fois que c'est fait, je continue de ce coin-ci, je range le sac, je range tout ce qui traîne, je range les affaires du muscu de mon mari, je range le câble, je range ma machine bicelle que je vais la mettre dans ce coin-ci pour le moment, et puis elle ira dans mon armoire prochainement. Je poursuis avec les draps, donc je vais enlever et ranger les draps, je vais enlever les vêtements et je vais ensuite les plier. Une fois que tout est rangé, il me reste plus qu'à passer un coup d'aspirateur et un coup de serpillière dans le bureau, et la pièce sera clean. I'm done with Et voilà, la maison est toute propre, ou du moins les pièces que je devais nettoyer ce matin sont propres. Il me reste plus qu'à aller chercher ma fille à l'école et récupérer le drive pour vous montrer. Mais avant ça, la chose très importante à faire et à ne pas négliger, c'est vider ses aspirateurs. Donc je vide l'aspirateur balai et ensuite je vais vider l'aspirateur robot, puisqu'il avait aussi fait son job. Et je vais en profiter pour nettoyer les filtres avec la petite brosse. Donc voilà, j'ai été aux courses, j'ai récupéré Ambre à l'école et je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. Donc j'ai pris de la pâte à tartiner poulain, c'est sans huile de palme et elle est très bonne et elle fait partie des moins chères, c'est un pot de 400 grammes. J'ai pris du pain de mie
au pain complet. C'est pour les petits-déj le matin. J'ai pris des mouchoirs, de l'aluminium, deux paquets de gâteaux comme ceci, Pépito. J'ai pris du double concentré de tomates Mutti, c'était en promo. J'ai pris du chocolat noir dessert, c'était en promo, deux paquets. Du Nesty, enfin l'Ice-T, mais version Intermarché, quoi, marque Intermarché. Du lait comme ceci, de l'Oasis, du sucre de canne. Une paella, c'est pour ce soir, puisque je reçois ma box HelloFresh demain. Du coup, j'avais zappé, j'avais prévu un repas HelloFresh ce soir alors que je reçois demain. Mais bon, c'est pas grave. Des Liégeois par 12. J'ai pris des yaourts par 16. Des Danettes. J'ai pris des spirits. Et j'ai pris 6 kilos d'oranges parce qu'on fait nos jus maison. Donc j'ai une deuxième bouteille de lait. J'ai pris deux paquets de chips. Un peu comme les Pringles, mais la marque Mouton d'Or. Donc c'est de la marque Intermarché et c'était en promo. J'ai pris du chocolat pour Pâques parce que c'était en promo et je commence à faire un petit stock pour que les cloches passent. J'ai pris deux paquets de gâteaux comme ceci puisque j'en ai encore. J'ai pris des frites Steakhouse. J'ai pris du bœuf haché surgelé. J'ai pris des compotes. J'ai pris des céréales comme ceci. C'est pour moi le matin parce qu'il faut absolument que je reprenne du poids et que je me force à bien manger. J'ai pris une pizza, c'est pour ce midi, pour moi. Alors fait maison, c'est mieux. Je suis au courant, hein, vous m'apprenez rien, mais quand t'as pas le temps, et ben t'as pas le temps, tu fais avec. J'ai pris des burgers comme ceci à l'oignon. J'ai aussi pris deux packs d'eau et un petit pack de bouteilles pour en 33 centilitres. Bon, bien voilà, mes courses sont rangées. Ambre est à la sieste. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai allié ménage et retour de course. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce format. N'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager à développer cette chaîne puisque ça me fait énormément plaisir. Et moi, sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao!